Salut les amis, c'est Wicham. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'esport. Aujourd'hui, on va découvrir la boxe. Est-ce que la boxe est forcément violente? Est-ce qu'on peut imaginer une boxe inclusive dans laquelle tout le monde gagne? Mais bien sûr, Wicham. Effectivement, la boxe n'est qu'une philosophie, un art martial, et il en va à chaque pratiquant d'adapter cela à sa mentalité et ses objectifs. Êtes-vous d'accord, monsieur l'assistant? Je suis là que pour la bagarre. Alors, on va faire la bagarre. Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer notre petite série boxe. Je me suis lancé un défi. Alors on sait pas comment, on sait pas avec qui et tout, mais un défi simple, dans un an, au mois de juillet, je me bats sur un ring de boxe. Contre qui, on sait pas, où ça, on sait pas, mais l'objectif c'est que je me bats dans un an sur un ring de boxe, sachant que je n'ai jamais fait de boxe de ma vie. Et on va un peu faire cette aventure de manière collective et tout, et donner la motivation aussi aux gens d'aller se bouger un peu et d'aller se battre la bagarre, la bagarre. Donc là c'est Nordine que vous voyez ici qui va faire le coaching. Mais ça va, donc Nordine va toujours être là pratiquement, tu seras toujours là avec moi pour la boxe et tout. Oui, tu vois, tu... il sera souvent là, mais parfois il y aura d'autres intervenants, peut-être qu'ils nous donneront des cours, on va essayer de découvrir d'autres sports de combat. Est-ce que ça compte beaucoup la taille dans les poids ou pas? Tu pèses combien? Par exemple, si lui il pèse le même poids que moi, est-ce qu'on combat dans le même... C'est possible, après justement l'idéal dans les sports de combat comme ça, non, la plus grande allonge, plus t'as une allonge grande et mieux t'es. Il faudra trouver quelqu'un de ma taille, donc je sais pas, Raptor Dissident, un truc comme pas. Ça va être le premier épisode, donc ça va être vraiment full débutant, découverte de la boxe, on va faire les échauffements et tout, et on essaiera de finir par un petit combat ludique, en mode ludique et tout, voilà. C'est un assaut dans le jargon. Un assaut? Voilà, un assaut. Les derniers seront les premiers, faut que vous la preniez. Ils ont niqué nos terres et nos têtes, ils ont tout bridé sous sol au grenier. Société détestable, je suis soutenu par 5 piliers, je vais rester stable. C'est pas du rap par corps, je me prends pas pour un rocker. Je vais à la muscu pour le corps, je vais à la muscu pour le cœur. Lâche vos feelings. Ah, oh là là. Oh là, Dubil, attends, on va faire une séance. Hey. Je vais vous l'enseigner comme je l'ai appris moi-même. Et tu vas être jugé par tous les pros de boxe. Bien sûr, tout, ouais, tous ils vont être là en mode Nardine, il n'importe quoi. Mais voilà, il y a toujours. On commence toujours par la main gauche. Hein. Non, la sauna, c'est la main droite. Oui, bah oui, mais oui, c'est la sauna de la boxe. C'est de la lutte ou. Si, justement. Le sport sauna de ouf, c'est la lutte. Et d'ailleurs, le côté sacralisé de la mosquée, c'est de la lutte dans la mosquée parfois. Donc là, tu mets dans le pouce et tu vas. Tu vois, tu l'accroches dans le pouce et tu vas orienter la bande directement vers le petit doigt. C'est du côté du petit doigt. Ok. Donc là, tu vas juste d'abord faire un premier tour sur le poignet. Voilà. Et tu en fais un deuxième. On va passer par le dessus de la main, comme ça, de doigt en doigt. Donc je passe ici entre le petit doigt et celui-ci, je sais pas comment il s'appelle. Le semi-doigt d'honneur. C'est pas le doigt d'honneur. C'est l'auriculaire. Non, l'auriculaire, c'est celui-ci. C'est l'avant-culaire. Ok, excellent. On en apprend tous les jours. Hein. Du coup, hop, j'ai passé sur le doigt, je refais un tour sur le poignet. Qu'est-ce qu'il nous fait? Moi, le côté propre. Eh oui, c'est une vie que je souhaite oublier, s'il vous plaît. Alors, je tiens à signaler pour faire le CV de Nordine qu'elle a été prof de PS avant d'être virée pour radicalisation. L'affaire est en cours. L'affaire est en cours d'instruction, s'il vous plaît. Merci de ne pas. Les gars. Donc, on fait un cours avec un radicalisé là. Un cours de boxe classique. Peut-être qu'ils vont me renvoyer au bled, je ne sais pas. Hassan, j'arrive. Et nous, on promeut une règle, une boxe inclusive. Ah, on fait les gauchistes? Je t'en viens. Les gauchistes. Nous, on joue pas pour gagner, on joue pour l'amour du sport, pour se relaxer après une journée de travail. Bien sûr. Bon, je suis à l'école de la merde, mais c'est pas grave. Ah. On va avancer, parce que là, on va rester 6 heures. C'est un peu plus gros que... Mais regardez, s'il vous plaît. Là, celle-là. Déjà, celle-là, par rapport à celle... Ah, par rapport à, entre guillemets, une normale, bon, il y a de la perte. Attends, il y a de la perte. Montre pas. Il y a de la perte, déjà, entre là et là. Et tu dis, bon, là, je l'ai accompagné. Mais là, j'ai laissé en autonomie. C'est la street. Moi, je me bats main nue. Déjà, je me bats main nue. Déjà, tu me mets ça, je suis en mode, ok. Vas-y, du coup, échauffement ou pas échauffement, on va faire un petit échauffement style. Mettez-vous au centre et sortez des cordes. Du coup, là, vas-y. Arrête de vous, oui. Sortez des cordes. Mais j'étais pas dans les cordes. Oh, lui, c'est vraiment l'élève casse-couille, lui. Tu vois, et ça, c'est le genre d'élèves, je les aimais pas. Ils sont vraiment casse-couille. Tu vois, ils sont bons en théorie, et après, ils viennent te faire chier en EPS. Mais j'ai appris à les mater, ceux-là. Je vais corriger pour toi. Merci. Sensei. Merci. Et l'autre élève que j'aime bien, l'élève indigène, tu vois, un peu rebelle, tout ça. J'aime bien. HQ. Allez, go, vas-y. Allez.
Il n'y a pas d'année, tu peux arrêter de faire des blagues LGBT friendly, tu sais. Vas-y, go. Du coup... C'est LGBT d'être à l'échec. Si c'est homophobe... Non, non, si c'est homophobe, j'assume. Je suis là, je serai le porteur de valise homophobe de cette échec. Excusez-moi, allez, un peu de sérieux. Du coup, ça sera coupé au montage, j'espère. Allez, sérieusement. Pour le coup, vas-y, maintenant, les bases, même pour ceux qui regardent, la boxe, avant tout, c'est ta position, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais un pote qui nous entraînait, il nous disait, c'est quoi la différence entre un mec qui attend le bus et un boxeur? Il aimait bien dire ça. Mais ça va être dans ta posture, tu vois. Un mec qui attend le bus, il va être asco. Donc là, le but, c'est de sortir de cette position-là. Du coup, on va mettre un pied devant l'autre. Un boxeur a toujours un pied devant l'autre. On n'a jamais les jambes alignées. Lequel pied? Très bonne question justement, il y a un petit jeu tout bête, c'est quoi? C'est tu te mets sur la pointe de pied, d'accord? Tu mets sur la pointe de pied, tu te laisses basculer en avant, la jambe qui te rattrape, c'est ta jambe avant. Ok. Du coup là, c'est votre jambe droite. Ta jambe forte, si je suis droitier, ma jambe forte elle est derrière. Toujours tes membres forts, que ce soit le bras arrière ou la jambe arrière, tu les mets derrière parce qu'il y a plus de puissance pour frapper. Tu fais le test? Oui, après, si t'es à l'aise comme ça. Non, si t'es à l'aise comme ça, vas-y. Mais in fine, c'est toujours bien d'avoir son membre dominant du côté arrière. Ça veut dire que ça soit jambe ou bras. Bref, pour une première séance, tu t'en fous. Ok. Parce que, non, en vrai, parce que quand je fais le muscu, parfois c'est dur, je mets jambe gauche. Ouais, non, mais c'est cool. Vas-y, c'est bon, c'est ça. Mais t'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Ouais. Tu racontes ta vie. Là, c'est qui le professeur? T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Membre dominant, normalement, in fine, ça passe derrière. D'accord. C'est clair? Alors... Merci, chef. Non, mais je l'explique, Miskin. Merci, chef. Du coup, je disais déjà, première chose, je vous disais les jambes pas alignées, du coup, surtout pas comme ça, pas sur l'axe horizontal, encore moins sur l'axe vertical, d'accord? On est légèrement écarté, pied largeur des hanches, les épaules, c'est bon. Ok, là, j'ai les jambes qui sont plus ou moins bien positionnées. Talon peut-être arrière légèrement levé, pourquoi pas. Maintenant, au niveau des bras, une image toute bête, le bras arrière, vous allez le coller comme si vous répondiez au téléphone. On dit ça outil. Le coude aussi, attention, vous voyez, parce que si je suis comme ça, je vais prendre des coups dans les côtes. Hein. Que ce soit des crochets ou des fouettés, je peux prendre des coups dans les côtes. Je vais arrêter de fréquenter ma vie. Non, mais parle. Mais du coup, vraiment le membre arrière bien collé. Du tympan jusqu'au coude ici, d'accord? Le bras avant, on dit au petit, comme si vous regardiez dans des jumelles devant vous, d'accord? Donc grosso modo, on va dire, la base, c'est ça. Si vous avez les bras devant vous ici, après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours boxer avec les bras ici. Plus l'adversaire est proche, plus vous allez resserrer votre garde. Plus l'adversaire est loin, plus vous pouvez permettre de détendre votre garde, d'accord? Mais juste, il faut avoir cette idée-là en tête. Le bras arrière, il est proche du corps, proche du visage. Le bras avant, il est légèrement devant par rapport au bras arrière, justement. Ça va pour tout le monde? Du coup, attends, je vais demander de sautiller en tenant la position. On va essayer de sautiller en tenant la position des bras ici. D'accord? Je vous montre de profil, ça donne quoi? Attention, là, au niveau des sautillements, c'est jamais un pied après l'autre. Là, si je suis sur un appui. Les deux? Ouais, toujours les deux en même temps. D'accord? C'est deux pieds qui sautent. Même si je peux faire des mouvements avant-arrière, pas de souci, mais c'est mes deux pieds qui décollent. Parce que si je fais ça, là, je prends un low kick qui me ramasse. Je pars en. D'accord? Donc, c'est toujours les deux pieds qui bougent. Vous avez vu, là, toujours les deux pieds. Je peux faire avant-arrière, je peux faire sur place. Ça, c'est plus si justement taekwondoka, ils sont grave sur place. Mais avant-arrière aussi, ça passe, d'accord? Regardez-vous dans le miroir, hein. Profitez-en, regardez-vous dans le miroir. Si ça a des glaces, c'est pas pour rien. Non, mais je vais me kiffer après. Mais c'est bien que t'arrives à te kiffer, parce que moi, je te trouve dégueulasse. Mais c'est bien, faut s'aimer, c'est important. Il marche. Son style sur 20, notez-moi. Dans les commentaires, son style sur 20. Une des erreurs à jamais faire, quand vous vous déplacez en boxe, quand on se déplace en boxe, vous avez vu, si je vais en avant, c'est ma jambe avant qui se déplace en premier. Si je vais en arrière, la jambe arrière qui se déplace en premier. Si je vais à ma droite, la jambe droite qui se déplace en première. Si je vais à gauche, la jambe gauche qui se déplace en première. Jamais croiser les jambes. Peut-être quand on croise les jambes, là aussi, on réduit son équilibre au sol, polygone de sustentation. Du coup, si je réduis le polygone de sustentation, je prends un low kick, là aussi une balayette, je couche. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Polygone de sustentation, oui. Les gars, il veut juste ressortir et ça. T'as dit quand on se déplace à gauche, ouais. Faut d'abord... Jambe gauche en premier. Tu vois? En fait, l'idée, c'est jamais croiser ta jambe. Faut jamais croiser les jambes. Pour ça, ils disaient, allez, tu cours pour commencer un échauffement. Hein, frère, quand tu boxes, tu cours pas. Tu croises jamais les jambes. Croiser les jambes, c'est pas un mouvement que tu fais en boxe. Maintenant que vous savez vous déplacer, vous allez vous mettre en garde, vous allez faire un jeu. Ça, le touche épaule. D'accord? Vous allez devoir toucher. Là, on peut gagner un point dans ce jeu qu'en touchant l'épaule de son adversaire. Par exemple, là, l'épaule, les deux l'épaule. Que l'épaule avant, justement. Je suis avec toi, regarde. D'accord. Je suis là. Moi, je suis là. Mon but, c'est de te toucher l'épaule. Donc, moi, je dois toucher. Voilà. Allez-y. Attention à pas vous mettre des doigts dans les yeux. Hein. Gardez les mains fermées. Non, parce que c'est vrai, ça peut arriver. T'as les bras tendus et tu mets dans les yeux. Ouais, un point pour Baf. J'ai pas vu. J'ai pas touché. Ok, c'est bien les fair play.
Oui, j'ai fait, mais tu une patate. Ça fait 3-1. 3-1. Ça fait 4-2. Ça fait 5-2. 6-2. 6-3. On a 6-3 pour Baf. J'ai l'impression qu'il veut le graille. Là, ça fait 7-4. 7-5. Je sais pas si j'ai bien compté d'ailleurs. Ça fait... J'ai pas... Stop. J'arrive plus à compter, du coup on arrête. Les profs, hein. Les profs en carton. C'est pas mal. Mais du coup, là, on repart même exercice. Respirez bien, on repart, j'ai quelques secondes. Les deux épaules, elles sont touchables maintenant. D'accord. Avec les deux bras. Hein. Ça peut être tac, 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 tac. D'accord. Allez-y. Je rappelle, les deux épaules sont touchables. Cyril, elle est limite une claque. Et j'ai quand même une claque. Les gars, essayez d'avoir des gestes un peu, vas-y, de boxe, entre guillemets. Bras tendu vers l'avant. Ok. Allez, ça touche pas là. 1-0. 1-0 pour Wissam. 1-1. Baf qui égalise. Baf qui a toujours 1-1. 1-1 toujours. 2-2. Ok, ça fait 3-2 pour Wissam. 3-2 pour Wissam. Ouf. Ça fait 4-2, allez, on va être gentil. 4-3. 5-3. J'ai pas vu. Attention, pas vous dégible. 5-4 pour Wissam. Ça fait une victoire chacun, on va s'arrêter sur ça parce que c'est bien dégueulasse. J'ai peur que ça dégénère. Oh, oh là. Je vais vous demander, messieurs, de mettre les gants, s'il vous plaît. Ouais, je rappelle, hein, comme dit le proverbe, peau noire et gants blancs, de François Non. Hey, je n'ai jamais lu le livre, mais j'ai lu le titre. Et quand on lit le titre, je me rappelle, c'est déjà beaucoup. Ok. Du coup, là, premier coup qu'on va apprendre, ça va être, si viens en face de moi, attends, on va faire le salut pour tous les mecs qui vont nous casser la tête en commentaire sinon. On va faire les saluts avant chaque truc. Vas-y, salue-moi. Célène. Du coup... mets-toi en garde. Vas-y. Du coup, là, je suis ici. Là, on va faire un jeu tout bête. Baf, il va mettre ses mains dans son dos. C'est vraiment là, c'est un truc d'initiation. On va apprendre le direct. D'accord, bras avant, bras arrière. Le but, c'est en même temps que moi, j'apprends le direct, je vais m'exercer à faire un direct. Baf, lui, il va, entre guillemets, apprendre un autre contenu. Ça va être de ne pas fermer les yeux quand on reçoit un coup. Le réflexe qui est normal, justement, c'est pour ça les sports de combat, des fois, ils sont mal acceptés. C'est parce que toucher le visage, c'est limite même en islam, hein, c'est haram, tu vois. C'est en mode, c'est déconseillé. Je crois, au minimum, c'est très déconseillé. Parce que le visage, il est sacralisé. Même pour la femme, hein. Tu peux pas la taper. Comme on n'a pas l'habitude de prendre des coups au visage, là on va essayer juste de garder les yeux ouverts. Donc vas-y, là tu vas mettre les mains dans le visage, légèrement avancer le menton, le front. Et moi je vais venir juste toucher, vous avez vu, son front. Mon but c'est juste de venir toucher, d'accord. Plus je suis à l'aise, plus je vais essayer d'aller vite, d'accord. Sans lui faire mal. J'ouvre toujours les yeux, moi. T'es un bonhomme toi, c'est pour ça. Vas-y, par avant, regarde. Voilà, c'est ça. Ok, pas mal. Mais tu essaies de revenir en garde entre chaque répétition, t'as vu. Là, tu restes comme ça. Non, ton bras, il revient ici. Ok, en garde. Tu vois, ici, reviens. Il y a une vrille, il y a un mouvement de vrille qui se fait dans le mouvement. Voilà, excellent. Très bien. Tends bien ton bras, là. C'est pas mal. Ouais, il aurait dit ici, t'inquiète pas. Ok, on échange les rôles, c'est reparti. Même chose, bras avant. Donc là, c'est le bras droit pour toi. Ouais. Vas-y, let's go. C'est bien. Et ça sert à rien de serrer la main dans vos gants. Vraiment, relâchez votre main dans le gant. Le but, c'est vraiment d'être souple quand vous allez boxer. On va faire la même chose, bras arrière. Du coup, je rappelle, bras arrière, même chose, mais limite. Regardez, bras arrière, là, on va dire, là, ma cible, c'est l'épaule de Wissam. Je suis là, bras avant, je touche pas. On pourrait dire, si je touche pas avec le bras avant, au bras arrière, je le toucherai encore moins. Parce que le bras arrière, il part de plus loin. Mais c'est le contraire. Vous voyez, mon bras arrière, il le touche. Mon bras avant, il le touche pas du tout. Mon bras arrière, il le touche. C'est parce que vraiment, en fait, le fait d'engager sa hanche, ça donne vraiment une grande amplitude. Tu reviens trop de profil. Ok. Pas mal. C'est pas mal. Tends bien ton bras. Si t'as besoin de plus d'allonge, n'hésite pas à reculer. Pas mal. Ok, stop, on va re-inverser les rôles. Mais là, maintenant, on va faire quoi? Même chose, mais on va alterner bras avant, bras arrière. Un tips. Pas mal. Engage bien la hanche sur le dos. Voilà, sur le bras arrière, on engage bien la hanche. Très bien. Maintenant, on va prendre technique de pied. Ok, très bien. C'est bien ça. T'as vu tes pieds où ils se posent? T'as vu où tu poses ton... Regarde comment ils sont alignés. D'accord. Tu vois? Essaye de... Tu vois? Faut que j'y pense. Ouais. C'est bien moi, hein. De penser à, je sais pas quoi, Twitter, les recherches universitaires, les livres, tout ça. Ouais. Pense à tes pieds déjà.
Pas mal. Repose bien devant. T'as vu, pourquoi tu la poses derrière ta jambe? Tu vois, c'est ça. Genou plié, tu touches, tu reposes en ayant plié avant. Tu vois, replie avant de poser. Ok, super. Fais. T'es ridicule, mais c'est pas grave, fais. Ok, stop. Pas mal. C'est yam. T'as vraiment un flow de. Elle est crispée de ouf et tout ça, ça me termine. Ce que je dis souvent aux élèves, c'est ça rien de sautiller tout ça. On est là, ici, sautillez pas, restez là. Parce que tu sautilles, tu te mets des. Pour vous déplacer, détendez-vous, wesh. Ça rien de sautiller. Juste mets-toi à la bonne distance, approche-toi. Du coup, là, on va passer sur des nouveaux coups. On va m'appeler la sautrette. Insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, les aimer. C'est les inconnus. Voilà, à ce rythme-là, dans un an, frérot, on va rien faire. Attends, t'as bien avancé quand même. C'est éclaté là. C'est bon pour des débutants, on a. Oui, c'est bien, c'est bien. Vas-y, pousse vers le bas là. Moi, j'avais envie qu'il y ait une. Tu vois, un esprit guerré dans ces vidéos là. Attends, sparring après. Attends, franchement, on y va pas un peu sérieusement quand même? Non. Merci le monteur, merci. Face à moi, aïe, chic. Salam. Ah, écoute, ça ressemble pas. Du coup, là, regarde s'il te plaît. Là, on va passer. On a fait les coups directs qui sont rectilignes. Ah, pareil pour les chasses, etc. Maintenant, on va passer. J'ai dit d'aller boire. Ouais, d'accord, il y a des pauses fraîcheurs. Ah, ouais, parce que là, il y en a un qui va militaire. Se prendre des tartes. Pour l'instant, on va voir juste les fouetter. Le fouetter, c'est le plus simple. D'abord, je lève le genou, après, je pivote. Vous avez vu? C'est à la fin que le pivot il s'opère. D'accord? Magnifique. Parce que si vous commencez déjà à pivoter depuis le début, tout ça, vous avez la jambe là, c'est pas équilibré. C'est vraiment pour rester compact, celui-là, c'est. Vous avez vu? Celui-là, c'est. Je lève genou et après, je pivote. C'est lever le genou armé, je pivote, je touche et je réarme. Ça va pour tout le monde? Ouais. C'est clair? J'ai beaucoup blablaté, maintenant, c'est à vous de taffer, allez-y. C'est bien, Wallah, baf, Wallah, c'est très bien. Merci, Sensei. Je t'en prie. Les jambes, elles sont trop sur la même ligne. Ok, super. Talon redressé derrière. Toi, tu vas venir toucher ma main avec. Là, t'as vu, je veux que tu le lèves devant toi ton genou, pas sur le côté. Là, tu pivotes et tu touches. T'as vu? Pas mal. C'est bien. Lève le genou, pivote. Attends, c'est bien. Replie ta jambe avant de la poser. Genou. Oui. Genou. Excellent. C'est bien. Je peux même enlever mon corps là. Top. Je peux même enlever mon corps. Tu l'as? Du coup. D'autres. Je de la fond. Et là, tu rentres le gant. Ça va, Wissam. J'ai l'impression que, je sais pas, t'as. Non, ça va. Pierre a malin plaisir à mettre des rotiques à baffe. Mais c'est lui, il dit j'enlève le gant, enlève le gant. Mais enfin, il te dit ça pour rigoler. Pourquoi t'es premier gant? Il est bizarre ce mec. Y'a pas le problème. Il enlève le gant, tu sais, il parle comme les. Tu sais, il y a des élèves un peu bizarres, PAI, tout ça, PAP. Mais du coup, vas-y, allez, sérieusement. Maintenant, même exercice, mais on va juste monter le niveau entre guillemets, d'exigence au niveau musculaire. Du coup, là, mon partenaire, il va faire quoi? Du coup, il va juste mettre ses gants comme ça, l'un contre l'autre. Et moi, mon but, ça va être de faire le même exercice. Là, je suis là. 1, 2, vous avez vu? 3. Quand je fais mes coups, je pars pas comme ça. Je pars pas. Vous avez vu? J'essaie de toujours rester gainé. Là. Jambes arrière, pareil, sauf que j'ai juste reculé un petit peu pour avoir de la longe. Là, je suis là, je lève le genou, je tends. Ici, tac, et je repose derrière. Ah. Pars depuis là en bas, t'es trop près. T'es grand, mon garçon. T'es grand aujourd'hui. Oui. Mets-toi en garde, attention. Vous êtes comme... Ah oui, c'est vrai, allez boire un peu d'eau. Ah oui, parce que le mieux, c'est comment depuis tout à l'heure, je bois de l'eau de manière régulière. Ah oui, bon, je vous propose d'arrêter le massacre ici. Bon. Là, il n'y a pas le protège-dents, il n'y a pas la coquille. J'ai des gants et des protège-gants. Ouais, non, des protège-dents, protège-tibia, etc. Pas si gère que ça, en vrai de vrai. Je pense 40 bottes, je t'en sors. Bah voilà, faites des dons. C'est vrai, faites des dons. Hein. Faut que je m'achète les dents si vous voulez que je continue. Et je peux passer un message. Si vous voulez que je repasse pas dentiste. Ah, je passe un message. Tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne Twitch, et quand je vais sur d'autres lives, plus gay friendly, et ils sont abonnés. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai rien contre eux. Non, oui. Mais je vois des indigènes qui sont pas abonnés à PDH,
Waouh, Sam Zelka, qui sont abonnés. C'est vrai. C'est chez vrai, Danny hein. Cassandre, ils ont le turbo truc activé là. Ah ouais. Le Transformers, tout. C'est gentil. Tu prends. Parce que tu vois, tes émotes, elles évoluent en fonction du nombre d'abonnements que t'as, du nombre de mois et du tiers d'abonnement. Donc, chez nous, je vois des pseudos secs. Que de blast du gars. Donc, posez les thunes, priorisez. Ensemble et à côté, comme dirait Ouria, hein, s'il vous plaît. Putain. Mohamed Ali, moi, y a pas de protection. Moi. Mohamed Ali, d'accord. Ouais, je les gants au direct. J'ai fait un bot bagarre. Je suis avec les gants. Calmez-vous, messieurs. On fait un petit périmètre ou quoi? Parce que là. Non, mais t'as le ring en fait. Ok. C'est le périmètre. Allez, premier arrivé en 10. Ça touche là? Un 1? Allez, un 1. Je sais pas. Oh, c'est dégueu là, stop. Puis je peux me permettre. Ah, on attaque. Non, mais on attaque jamais avec deux bras en même temps en boxe. C'est pas. Il a fait Hitman. Qui? Moi. T'as fait ça, frère. Voilà, t'as fait ça. C'est moi, j'ai fait ça. Allez, 1-1. Allez, 2-1. 2-1, toujours pour Wissam. Je suis toujours à 2-1. 2-2. 2-2, toujours. 3-2 pour Baf. Si je me trompe pas. 3-3 alors. Ok, 3-3, mais détends-toi frère, dis-moi. Si j'ai pas tout vu, je suis pas omniscient frère. 4-3, 4-4. 4-4 toujours, j'ai l'impression. 5-4. 5-4 toujours. Là, il n'y avait pas les deux bras, Germain. Ok, 5-5, 6-5. Stop. C'est pour ça que je voulais pas filmer ça, Harry. C'est pour ça que je voulais pas faire de sparring. C'est un touche-épaule et regarde comment c'est dégueu. T'es dessus, si on vous demande où vous avez appris la boxe, dites pas que c'est avec WAM. On pourra flouter, mon visage. Non, mais c'est notre défense, c'est que c'est pas de la boxe. Tu vois, oui. Non, mais c'est. Non, pour votre. Pas défense, c'est même pas de la boxe et vous faites ça. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense qu'il faut le dire. Oui, mais tu dois toucher l'épaule, j'essaie de toucher l'épaule par tous les moyens. Après, c'est vrai, c'est dans la logique de l'élève qui essaie de réussir. Cet élève scolaire un peu chiant. Je sais pas, frère. Allez, non, point gagnant là. En 3 points, que des directs, touche épaule. S'il y a un point que je vois pas, dites-le, réclamez-le. Parce que je vois pas tout. Ok, je vois 1. Je vois 1-1. 2-1. 2-1 toujours, j'ai pas vu. 2-1 toujours. 3-1, c'est bon? C'est gagné? T'as touché? Non, là c'était des. Ok, vas-y alors, 2-1 toujours. 2-1 toujours pour Wissam, allez. Attends, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Allez, on a notre balle de match. On a notre balle de match. Ok, top. Ouais. Oui, t'inquiète. Personne te volera. Regardez. Des pompes. Je suis abasourdi. Là, je suis comme ça, là. Je suis même. Ok. Donc, c'est lui. Là, mais on en a fait 5 avant et c'est ok. Ouais. Film. Ah, film, j'arrive pas à les enlever. Film. Ok, papa Tito. Non, mais moi je te le dis, tu gagnes. Ah non, mais on peut faire un débrief par contre. Un petit débrief de fin. Oui, non, on va faire un petit. Non. Un truc plus personnel. C'est avec ce niveau-là que tu allais démarrer et tu voulais me défier dans un an avec ce niveau-là. Tu pensais pouvoir rattraper mon niveau dans un an en partant de là. Mais juste. T'es bien présomptueux, mon enfant. Justement. C'est... Rendez-vous dans un an, Nordine. Rendez-vous dans un an. Bonne chance à toi. Je vais squatter la salle et tout. Rendez-vous dans un an. Très bien. Je sais pas comment on enlève. Bon bah voilà les gens. C'était la première séance. Vraiment. Vous avez pas menti. J'ai jamais fait de boxe. Franchement, ça s'est pas vu. Je pense qu'ils ont pas remarqué. Vous pouvez commencer avec moi, hein, ceux qui ont jamais fait de boxe. On va voir comment on va évoluer. Ouais. Et on va essayer de faire ça assez souvent. De toute façon, avec Nordine, on se verra. T'inquiète pas, je serai plus sérieux en vrai. La prochaine fois. Parce que j'ai vraiment envie de progresser et tout. Donc on essaiera de faire au moins une fois par mois filmé. Et on essaiera de faire un petit combat à la fin. Mais ça sera un truc tranquille, un petit combat à mois de juillet pour se retrouver et tout. Donc restez connectés. Il y en a d'autres qui vont arriver très bientôt. Il y aura Samir, il y aura toute l'équipe et tout. Vous allez voir, ça va être cool. Salut.